Salut! Bienvenue à un épisode très spécial de Pokémon. Spécial avec un R majuscule, comme le disait ma ex. Wow! Such a woman! Yeah. Comme vous allez le voir pas mal là... Oh! Qu'est-ce qui est arrivé là? Oh my god! Ouais, t'es capable de glitcher le jeu? Oui, je glitch dans mes temps libres. Une attaque tonnerre! Yeah. Une attaque tonnerre qu'on attendait depuis très longtemps. Ça y a juste pris 18 Christie de level, ça veut dire. Ouais, il nous est arrivé une bad luck parce que moi, je garde, hein? Je suis un professionnel de la santé. Oui. Des ordinateurs. Mental. Basically, j'ai récemment acheté un drive externe pour toutes nos vidéos puis nos audios de T'es pas game. Puis, en faisant tous mes transferts, lo and behold, j'ai perdu deux files d'audio. Oups. Donc, ce qui aurait censé... Wow! Ce qui aurait été censé être épisode 11 et épisode 12 de Pokémon Diamant sont partis. Ils sont plus là. N'existent plus. C'est juste moi, l'eau a changé de couleur ou bien que c'est comme... Ben, c'est le temps dans la game, un gars qui avance, puis... Je me souviens pas quelle heure qu'il était quand on avait stoppé. Yeah. So, basically, ce qui arrive, c'est vu qu'on n'a plus les audios, mais les vidéos existent encore, on a décidé de prendre ce que était essentiellement épisode 11, épisode 12, les smoucher ensemble, en bon français. Ouais, puis il a skippé les bouts qui est comme... Ouais, j'ai skippé des battles, puis ça, puis j'ai comme édité ça pour que ça soit comme un format, une longueur de vidéo standard, tu sais, comme 30 minutes-ish à descendre, puis... On va juste faire du voice-over de ce footage qu'on a fait. Réagir à ce qu'on a fait. Oui! Parce que de toute façon, sinon, ça serait juste... Vous skipperiez comme... Quoi? Il est arrivé ça qu'on l'a pas vu? Ben, yeah. There you go. C'est mieux que rien. Oui. Fait que dans la game, on était rendu à Vestigion, comme vous pouvez voir. Oui. La ville de la deuxième badge. Yay! Puis on a un sphincter qui peut faire des... C'est-tu pas merveilleux? Absolument. Excuse-moi. Oui. Pis c'est ça, tu sais, là, on a plus notre partenaire, le Vénard. Oh, l'homme souterrain! The Underground Man. Je suis sûr que c'est le même, ça s'appelait. Peut-être. C'est-tu... c'est ça? Ben, moi, en traducteur, je dirais que ça aurait du sens. Je pense que t'avais expliqué un peu quoi ce que t'es cette affaire-là. J'aime ça. Je suis le premier à avoir creusé des tunnels. Sur... Il y a jamais personne ever qui a creusé des tunnels. Jamais de la vie. Yup. Mais je me souviens quand on avait joué, t'avais expliqué qu'est-ce que c'était cette belle cochonnerie-là. Ouais, me semble que c'est... Ça se peut que je me souviens mal, là, mais c'est que me semble que tu peux genre faire des tunnels puis te faire comme des petites bases. Comme tu sais, là, tu décores ta base puis là, le monde va voir ta base. Je te maudis pas trop. Là. Me semble que c'est une espèce d'histoire de même. Une chose qu'on va explorer en fond en comble comme les contests de beauty. Absolument, oui. Absolument, ben oui. Les choses pas du tout inutiles. Non, écoute. Ami, cette affaire-là, tu pouvais-tu comme payer des items avec ça, at least? Well. Je peux pas dire que j'ai été en profondeur. Ouais, wow. Je peux pas dire que j'ai trop joué avec ça. C'est une histoire de même. Hein. Really Rad Rickshaw! Oh. Tous en sel. Et là qu'on va pouvoir acheter un Bessic. Ouais, un Bessic à marde. Mais il est pas là. Oh non! Oui, parce que c'est la tente où il y a le building, le Team Galaxy. Tellement pas un throwback. Un throwback à tous les buildings des Team Rocket qu'il y a dans les games ever. Nous évaluons de nouveaux surnoms. Je te dis. Nos surnoms sont déjà parfaits, ça fait qu'on n'a pas besoin. Philo. J'aimerais tellement. C'est comme. C'est tout le temps la même chose qu'il dit, là, mais comme aller le voir, puis faire comme « Oh, que penses-tu de ce nom? Sphincter! » Puis lui mettre comme « Oh, c'est un nom merveilleux, ça lui va à merveille! » Oui. Super potion. Super potion. Tu trouves des médicaments dans le bois, dans les buissons. Fait que là, basically, à Vestigion, on rencontre Cynthia, qui est comme une des... C'est un Pokédex, tu assistes le profil sorbier, comment tu t'appelles? C'est comme une des gym leaders préférées de la communauté des Pokémon. Fait... Pour vrai? Yeah. Je me souviens pas d'elle. Populaire. Ah ouais? Yep. Ben. The more you know. Ouais.
populaire. Populaire pour eux autres, là. Ouais. j'en ai manqué des bouts un peu, mettons, là. Ouais. Mais ce que j'allais dire. Ah oui, elle nous donne cut. On va pouvoir couper les petits buissons au lait qu'il y a en arrière, là. Oui. Mec, on a la badge, of course. Mais. Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est le, ouais. C'est la reine de Grass. Ouais. Fait que. Basically, on a rien contre Grass dans notre party. Mm-hmm. Parce qu'on va être obligé de faire des petites recherches. Ah, une recherche. On va aller se promener dans les eaux d'herbe. Les eaux d'herbe. Oui, parce que c'était bien le fun d'avoir deux. des elixirs à poche, là, mais. On se dit aussi que veut pas ce qu'on veut réussir à moi je patte la game sans avoir trop d'embûches. Ça va nous prendre une team un petit peu plus versatile. C'est un petit peu ça que c'est un Pokémon. C'est que t'arrives dans une ville puis là oh, ça va t'encourager à attraper un Pokémon qui va être bon pour cette partie là de la game. Puis là c'est même que t'avances dans la game. Puis blablabla. Parce que puis to be fair usually le type que t'as besoin pour battre la reine va soit être avant ou vraiment proche après la town que t'es dedans, sauf tu peux juste comme te promener un petit peu pis il va me figurer que ah je peux prendre ce site. Yep. Ha ha ha. Ou bien si t'es comme nous autres pis que tu grindes pendant des heures pis que t'es comme 10-15 level plus haut que toutes les badges, tu vois juste avec ta team que tu veux. c'est ça. Ah. Mais peut-être sur le site nous autres, c'est ça. Et toi, Laminus, t'approches pas de la statue Pokémon. On joue comme si on avait 10 ans. Ouais. Ça, c'est toutes les games ever. Tout. Such a man. Je sais pas si vous regardez la série Zelda Metroid, là, mais. Oui, Jean a des talents. Ah, ben, toi, tu n'as pareil. Tu n'as pas si. Ah, ben, surprise! Non, se faire à petit, c'est se faire tout petit, c'est le meilleur ami du ninja, mais. Ça fait que là, lui, c'est un ninja. Ah! Tu m'arrêtes. Ouais. Pas qu'est-ce qui arrive, la game a du trou. La game du trou. Ouais. Il nous a laissé y aller. Ouais, ouais. C'est un ninja très clément. Oui. Ninja clément. Oui. C'est rare, t'entends ces deux mots-là ensemble. Oui. Clément Boudreau. Bon, ben, fait, vous voyez qu'est-ce que je voulais dire quand ce que usually nous donnant le type qu'on a de besoin. Puis là, c'est drôle parce qu'il y avait un épisode précédent où ce que je pensais qu'on avait vu un Ponyta dans la nature, mais c'était le Ponyta d'un dresseur. Yep. Mais là, cette fois-ci, j'ai raison. Fait que là, full circle, Jean Bauer, yeah. Finalement. Spoiler alert, son Ponyta, qui pensait qu'il allait avoir tout à l'heure. Ouais. Mais techniquement, c'est le Ponyta à Luc, parce que c'est Luc qui veut qu'on. C'est Luc qui veut qu'on ait un beau pony. Moi j'ai un Pokémon dans ma wishlist qu'on va pogner plus tard. Ouais, il veut pas nous dire c'est qui. C'est ça. Apparemment qu'il y a déjà un nom pour pis tout. Non? Ouais. Chaque prêt. Fait des gamics pis tout. Je suis prêt. Autant prêt que moi avec ma joke du nom. Pis. Ouais. Tu vas aimer ça. Le. Wow! Ben, il vient de me donner la COVID. J'ai envie. Le name rater, oh. Là. Mon téléphone sonne. Oh, shit. Cut. Oh, hey. Hey. J'aime qu'on a dit cut, mais comme. Ouais. Ça m'a fait ça. Ouais, ouais, c'est ça, là. Ouais, non, j'ai reçu un appel. D'habitude, je mets mon téléphone sur vibrate, mais là, j'avais oublié. Et hop. Yay, on a un. Pony. Puis on lui donne tellement un beau nom. Mm. Oh. Vous allez voir dans quelques secondes. Yeah, c'est cute. Suspense. Moi, je pense que ça va être un mot cochon. Hey, tu penses que j'ai 3 ans, toi, quoi? 10 ans. Hum. Fair enough. Yay! Shaft! 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 Je mélange deux personnages.
Shaft Gordon. Yes. C'est le même gars, c'est le même qu'on va appeler Ponyta, Shaft Gordon. Shaft Gordon. There you go. Yes. All right. Celui-là, on a un Pokémon feu qui va nous aider pour l'arène. Détruire l'arène. Foutre l'arène en feu. Yeah. Fun fact, je me suis aperçu à quel point ça coupait le temps d'enlever les battles. Penses-tu? Parce que là, on checkait s'il y avait des fire ability, puis on s'est aperçu que non. Ponyta a aucune fire ability à ce level-là. Fait que je pense que comme right now, dans le standard time, on avait déjà pretty much une demi-heure. À peu près. Puis là, on est comme 10 minutes in. Yeah. T'sais, so, deux tiers du temps est passé dans les balles, basically. Yep. So, l'épisode finissait pas mal là. Puis, on est là la prochaine épisode. Oh my god! Mais ça cote, puis là, ouh, bang! La magie du Shaft est niveau 18 maintenant. Ouais, c'est ça, on avait coupé ces battles-là dans les épisodes originaux. Parce ouais, que... ben les coupés, c'est qu'on avait, j'avais grindé entre épisode 11 et 12. Ah, true, yeah. Juste question d'avoir une habilité de feu, parce que c'était un peu ça le but d'avoir Ponyta, là, pour yeah. l'arène. Puis c'est ça, yeah. Il apprend... Oh, là, je sais pas si vous l'avez. Il apprenait à level 16, mais Luc était trop têtu, puis il voulait être level 18. Parce qu'il était comme, je veux pas perdre, je j'ai peur. C'est exactement le même qui sonnait. Hey. Oui. T'as fendu tailleur? Non. Ça fait que là, vous allez nous voir, nous promener dans l'arène. C'est un petit, une petite game de cachette, ce badge-là. Rien que pour perdre encore plus notre temps, notamment. Ouais, moi j'adore les puzzles dans les games, on dirait. Je peux pas me souvenir. Tu comptes-tu vraiment ça comme un puzzle? Je peux pas me souvenir comme la. Ben. Oui et non. C'est une game de cachette, là. Oui, non, mais attends une minute, là. Tu m'as pas laissé finir mon histoire. Là. Ok, vas-y. J'aime les puzzles dans les games, mais comme je peux pas me souvenir de la dernière game, que. Il y avait actually des puzzles qui étaient le fun pis nice à faire. On dirait que c'est tout le temps comme. C'est que les game developers sont comme « Ah, oh, il faut mettre des puzzles! » Puis là, comme quand ça en donne, en face, ils sont comme « Ah, oh, shit, faut faire des puzzles! » Comme on dirait, c'est tout le temps half-assed. Yeah. Puis, ça a l'air qu'il y en a des bons dans Metroid Dread qui vient de sortir. OK. Yeah. Fair enough. Moi, pour les puzzles, moi, ça va toujours être Lufia 2. OK. Sur Super Nintendo. OK. Ça, c'était actually des vrais puzzles. Tu sais, c'est pas comme... C'est pas comme, ah, oh, trouve une clé pour cette porte-titre, là. C'est pas un puzzle, là, tu sais. Ouais. Ou juste ça que marche partout puis tu vas l'avoir, là. Yeah. Lufia 2, là, c'était vraiment des affaires de comme, ah, oh, faut que tu pitches une flèche sur celle-ci, puis là, ça va changer la couleur de celle-là, puis là, faut que tu mettes les couleurs tout ensemble, puis blablabla, ou bien des affaires avec des bas. Lufia, là, c'est un RPG comme traditionnel, mais sur le. Comme quand tu te promènes dans les donjons, pis ça fait beaucoup plus penser à Zelda. Mm. Dans le sens de comme t'as des flèches, t'as des bombes, t'as des items que tu peux te servir pour avancer dans le donjon, pis ça, c'est vraiment, okay. vraiment nice. Un peu comme les Wild Arms. Oui, oui, c'est pas mal dans le même mais, style. Moi, la meilleure. Oh non, poison! Oh shit, Fox! Moi, la game overall qui a les meilleurs puzzles dedans, c'est la série Onimusha. Mm. Qui est un action. Comme adventure game, mais c'est pas tant. C'est comme Resident Evil, mais avec des samouraïs. Ouais, si on veut. Mais c'est pas tant les puzzles de comme, ah, oh, le donjon a un puzzle. C'est que dans la game, les chests ont des puzzles. Okay. So, quand tu trouves un chest, pour l'ouvrir, faut que tu fasses un puzzle. C'est comme si le unlocking mechanism est un puzzle. Puis chaque game a c'est différent le système là. Mais comme une game, toutes les chests ont le même système de puzzle mais sont différents d'un à l'autre. Yeah. Puis c'est tellement des puzzles que comme faut vraiment que tu t'assises là puis tu y penses. Puis faut tu c'est vraiment comme tu bouges des fois des morceaux qu'il faut qui se touchent ensemble pour. Mais c'est tellement satisfaisant, là. Holy shit que je les adore. Yeah. Puis comme je jouerais une game que c'est juste ces types de puzzles. J'ai même déjà actually cherché pour voir s'il y avait des games de même, mais j'ai jamais trouvé quelque chose autant satisfaisant que ouais, ça. Je vais mettre une image pour le fun comme
donner un exemple d'eux, là, mais... Il y a des games de même, par exemple, que c'est vraiment juste comme tu marches puis tu fais des puzzles, comme... Ils appellent ça des walking simulators, là, mais c'est comme... Yeah, je les ai jamais vraiment essayés comme les Myst series. Ouais, ça, ils appellent comme... de même. Myst, puis... De faire exprès, j'ai oublié le nom, là. Il y en avait un plus récent qui a été fait par les créateurs de Myst, là, mais... Le nom m'échappe. Brouillard. Brouillard. Savais-tu qu'il existe une parodie de Myst? Oh boy. Qui s'appelle Pist. Oh! Puis il y avait John Goodman dedans, for some reason. OK. Yeah! T'as sorti quand, ça? Ah, c'est comme dans les années 90. Hey boy. Yeah. Une parodie de Myst. Moi. Puis c'est-tu comme Pist, c'est-tu parce que c'est frustrant? Comme tu viens-tu fâché quand c'est vraiment tu fais juste la un jeu de mots, je pense. OK. Juste, au lieu d'un M, c'est un P. Pist. There you go. Yeah. Moi, j'ai jamais été... Tu sais, comme j'aime les puzzles, mais comme j'ai jamais été fort sur ces genres de games-là que c'est juste des puzzles. Yeah, well, c'est ça, là. Yeah. J'aime quand c'est un ajout. Ouais. Bien implémenté. Là. Hey, on se bat contre le gym leader. Gawel. Shaft! Ouais, je trouve ça un petit peu plus dull de couper ce battle-là. Là. Ouais, ça en est une importante. Ouais. Puis on voit notre Shaft en action. Oui, Shaft avec logo de un Shaft masculin. Là. Pas un Shaft femelle. Là. Fait que quand tu le vois, comme il y a t'as les deux logos, c'est comme Super Shaft. Il est vraiment mort. Shaft Gordon. Shaft Gordon. Ça fit parce que techniquement, Ponyta et Ravelage sont super vite. Ah non, là, je mélange un troisième personnage. Yes. The Flash. Yes. The Flash Gordon. Yep. Hey! Ben voilà, The Flash Gordon, c'est même que c'est ouais, filmé. The Flash. Ah, tiens, brûle, toi. Yes! Non, pis ça, c'est yet again un autre mâle à notre équipe. On a still pas de femelle. Toutoune était-tu? Non, Toutoune est mâle. Ah, ok. Yeah. Tu voulais attraper un corneb femelle, mais le vénard t'en empêchait. Ah! Oh, ça, c'était glorieux. Tellement vénard, ce salopard. Mm-hmm, le salopard. Mm. C'est pour ça, nous autres, là, on est bien meilleurs tout seuls. Nous autres, là, on se promène dans le monde tout seul. Tout seul. Pas besoin d'escorter des petites filles qui ont peur du bois. Ouais, tes filles, là. Roserad. Chadway. C'est son gros final Pokémon. Yeah. Qui va brûler. Ah non, parasport. Pas grave, brûle brûle. Notre Shaft est paralysé. Oh non. Mmh. Il est tout dur. Vite, vite, sors de Cialis. Quinte-toi, brûle. Hein, t'avais dit qu'il allait brûler? J'aime l'idée que comme le Pokémon serait en feu, puis comme... ça me semble que ça fait comme dark. Juste. Hein. Ouais. Ouais. Ça fait dark. Pokémon en train de brûler. Je le vois flailer comme... Puis tout est juste comme... Ponyta, you stomp! Yeah! Plus paralysé. Nœud d'arbre, oui, c'est vrai, on s'était... Attardé sur ce... Ouais. Comme... La manière que ça explique dans le jeu, c'est comme si qu'il faisait comme une jambette avec de l'herbe ou de quoi. C'est comme, il accroche, puis c'est plus fort si le Pokémon est plus lourd. Tu sais, là, c'est comme, the harder... The bigger they are, the harder they fall. Ben ouais, c'est, I guess, c'est comme... Ça fait un nœud dans l'herbe, puis tu t'accroches dedans, puis c'est ça qui te fait mal. C'est juste une drôle d'attaque. Écoute... C'est pas un problème. Regarde, hey! Pokémon a créé un Pokémon... Cornet Canlas. C'est vrai. So, regarde. I mean, on peut-tu vraiment juger le reste? Même un sac de poubelle, aussi. Yep. Sac de poubelle, un chandelier... Yep. Yeah. Sauf, regarde, un nœud dans le gazon. Un nœud d'herbe. Hein? Tu sais, c'est même pas un problème de traduction non plus. Là. Least of our worries. En anglais, c'est grass knot. There you go. Ça. Coup critique. Et là, on a deux badges. Yeah. On peut utiliser coupe. Oui. Coupe et coupe. Là, on va pouvoir progresser encore plus. Yes. Yay. Hey, pis, tu sais là, la magie du cinéma, on a attrapé Shaft à level 13, pis il est déjà 21. Tiens, toi. Fun, hein? Quand toi, Flo. Ouais.
Flo, pourquoi Flo? Ça n'a même pas rapport avec de l'herbe. Ben non, ben tu sais, t'avais Pierrick. Pierre. Mmh. Ben, Flo, Flower. Pauvre. Je sais pas, moi. Puis, Ami, je sais même pas comment ça, ça s'appelle tu même de même en anglais. Comme, tu sais, il y a peut-être un autre mot. C'est ça qui est pire, c'est que c'est un nom qui est plus courant en anglais. Non, t'as Florence, c'est un nom très commun en France. Ben, ils auraient dû l'appeler Florence, ben. Ben, dis ça à eux autres qui ont créé la game. Ok, minute, je vais faire un petit appel. Ah ouais? Bibou, 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 bibou. Oui, allô, Pokémon France? Pourquoi est-ce que vous avez appelé Flo Flo? Ouais. Ok. Ben merci. J'ai composé le mauvais numéro. Parfait. On sort jamais, ben. There you go. Yeah, nœud herbe. C'est pas de nœud d'herbe, là. Hmm? Nœud herbe. Puis. J'ai nopé beaucoup le nœud d'herbe. Ouais, parce que Volvie est encore utile. Yeah. Tranche herbe aussi, tu sais, c'est comme. Ben, tranche herbe pour sûr. Yeah. Ah oui, c'est la fois que je me mélangeais dans mes pitons. T'as fait de la misère à sortir du menu. Ben, c'est que des fois, d'habitude, dans les menus de même, tu peux juste faire B, 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 ouais. Puis ça te sort. Mais là, c'est que le questionnement, fallait que tu dises non, puis oui, après ça, un c'est autre. C'est comme un double négatif, là, genre. Oh. Tu veux-tu arrêter d'apprendre, puis là, tu pèses B pour non, tu sais, c'est comme. Le jeu nous joue des tours. Yeah. Mais c'est comme un fail safe, là. Faut que. Ben, on peut dire. On va aller. Oui, ça, j'avais dit ça aussi. C'est comme une espèce de petite musique de western, mais il y a comme rien de western dans ça. À part, ouais, t'as eu un poney, I guess. Ça fait comme western. Puis tu sais pas, le nœud d'herbe, c'est peut-être un lasso qui fait. Hein? Ouais, c'est peut-être un lasso d'herbe. Ça aurait plus de sens qu'un nœud. There you go. Ouais. On va dire c'est ça. Grass lasso. Grass lasso. Grass, c'est plus fun à dire. Graisse la sauce. Graisse la sauce. Yeah. Les objets rares. Qu'est-ce que je bardache? Ah, ça se peut que je te. Oui, je te. Ah, oui. C'est que je sais où trouver le Pokémon que je veux, mais fallait qu'on check sur la map à où ce que c'était. Puis turns out que c'est beaucoup plus loin qu'on pensait. Ouais. J'attends un petit peu pour avoir mon. Parce que je pensais dans le. Dans, le comme bas, dans le là. Sud, là. Ouais. Carrément, là. Puis on n'est pas sûr. On n'est pas vraiment sûr où est-ce qu'on est censé aller. Ouais, Pokémon, en vrai, tu check la map, c'est jamais nécessairement comme. Yeah. Linéaire-ish, là. C'est tout le temps un peu weird. Ben, c'est ça. Des fois, tu vas arriver à une place, puis ça va être comme. Oh non, il y a des roches devant, on peut pas passer, puis là, tu gagnes une badge, puis comme. Oh yeah, les roches sont plus là, magiquement. Ou des gardes caves qui ont soif, puis qui ne laisseront pas passer parce qu'ils ont soif. Ça aussi, ouais, ça. Imagine si ça serait plate, là, comme. Tu sais, tu traverses le pont de l'île du Prince-Édouard. T'arrives au bout, puis c'est comme, ouais, j'ai soif, je peux pas te laisser passer. Oh, faut que tu tournes de bord. T'as tout le pont de nouveau. Gang de mangeux de blettes. Ça, c'était la route 212 qu'on a vue là-bas dans le sud. Ouais. Qui était le. Mais c'est ça, on n'est pas. La place de prédilection pour le Pokémon agent. Ouais. Mais c'est ça, tout de suite, on se promène. Je pense qu'on va voir la team. Ça, je voulais demander tout à l'heure, le name rater, là. Ouais. Urit, t'es non, mais il peut te les changer, right, aussi? Ouais, oui. Ok, parfait. Ouais. Tu peux y aller changer le nom à tes Pokémon, là. Keep on keeping on. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'on rentre dans ce building-là. C'est-tu pas ça qui est le building de... Ouais, c'est ça. C'est le building de la Team Galaxy. Fait qu'il faut aller là-dedans pour progresser. Pour grosser. Or at least, probablement, pour sortir Rarikia de là, puis potentiellement avoir un Bessic. Ouais, puis c'est probablement avec ça qu'il va falloir qu'on avance dans le jeu. Ouais. Larsan! C'est ça, hein. Dans l'original Pokémon, je pense que tu peux faire le tour sans Bessic. Puis. Ouais, c'est vraiment. Dans celui-là, c'est comme. Non, il y a des petits ledges, puis blablabla. Ouais. Des petits lips. Ouais. Ça, Larsan, Luc savait pas ce que ça voulait dire, mais c'est pour voler un item d'un Pokémon. Larsan, ça veut dire vol. C'est cool. Donc, thief. Thief. The dark ability thief. Thief. T'es-tu thief, toi? Thief. T'es-tu thief? Thief. Oui, c'est ça, thief. Oh! Oh, there you go. Il nous a spotté.
Nous rassemblons des Pokémon en vue d'une opération. Nous ne tolérons aucune interposition! Interposition, oui, c'est vrai. Désolé, mon chou, la Team Galaxy n'accepte pas les enfants. Nous sommes dans le milieu d'une opération, on fait un facelift à notre... Oh, tu sais, je vous ai déjà sacré une volée. Antidote. Oh, il m'avait poisonné le sphincter. Oh, pitché, il était malade. J'avais le sphincter qui brûle. Toutoun. Hey, Toutoun, il savait d'évoluer, là. Oui, c'est vrai, puis là, Toutoun a appris charge. Oui. Yay! Oui, c'est ça. Toutoun peut se défendre. Fait que techniquement, on disait que tu pourrais donner un Everstone à un Magikarp puis faire le tour avec. Si t'avais... Techniquement. Si t'avais 20 ans à gaspiller. Oui, la patience des dieux. Ben, je veux dire... Si tu prendrais le temps d'avoir de l'argent pour... Je luttais pourquoi déjà? Si tu aurais pris le temps d'amasser de l'argent pour acheter des carbon puis tout ça, carbos puis ça pour les... Ouais, mais ça, c'est limité aussi. Tu peux juste en donner un tel nombre. Mais sur ce, nous allons terminer notre aventure. Ben, gardons ça. Puis on va se revoir la prochaine fois. Actually, en jouant le jeu. Mm-hmm. Oui, on va jouer... Hey, c'est drôle de pas dire Teddy Game d'arrêter parce que là Teddy Game d'arrêter ça là. C'est ça, tu sais, là on a pas le choix. Pas le choix d'arrêter ça là. Bye là. Mouah.